Salut à tous, c'est la Simulation Normande et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur farming. On est en compagnie d'Iliès. Salut. Voilà, donc on va faire une petite présentation, comme vous l'avez vu dans le titre. Une présentation du nouveau DLC qui est sorti sur PS4. Bon, il était déjà sorti sur PC, il est pas nouveau, mais c'est les classiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Franchement, il est pas cher, hein, il est gratuit. Ouais, il est gratuit. Bah non, c'est pas cher, c'est pas cher du tout. Donc on va commencer en premier avec celui-ci qui est le Hurleyman Cychromatique machin. Hein. Ouais, voilà, un Hurleyman quoi. Donc voilà, franchement, il est vraiment stylé. Bon, les roues sont un peu dégueulasses quand même, mais bon. Ah ouais, j'avais pas encore testé. Franchement, je le découvre en même temps que vous. Bon, je l'avais déjà découvert sur le Farming 2011 parce qu'il y était. Donc voilà, désolé, le téléphone qui sonne. Oh, t'as vu, t'as l'animation. Ah oui, sur les côtés, ouais. Vas-y, tourne, Iglesias. Donc regardez les petites barres là qui bougent sur les côtés. Franchement, Farming ont bien fait ça quand même. Bon, il y a quelques trucs qui est pas trop réaliste. Bon, on passe au suivant, donc celui-là, franchement, je... Quoi? Bien sûr, je vais leur montrer comme ils accélèrent à fond d'un coup. Ah oui, regardez. Non, c'est pas sur celui-là, ça marche pas. Si. Je suis déjà à 25 en 2 secondes, mon gars. C'est énorme. T'as un mètre Théo. Regarde, j'ai l'impression que ça fait quand tu prends. Ça fait grâce bizarre. Merde. Il fallait rentrer dans le luxe. Attends. Regardez ensuite le petit Dutz. Donc voilà. Franchement, ce Dutz, je pense que vous le connaissez. Parce que c'est un Dutz qui est assez connu. On en voit pas mal. Perso, j'en ai déjà vu moi. Donc voilà. Ouais. Enfin, les passionnés. Les passionnés de tracteurs, vraiment, vous en avez déjà vu. C'est obligé. Ouais, donc regardez, je vous fais un peu écouter les bruits. Par contre, je vais juste baisser le son de mon jeu, parce que franchement, vous allez plus avoir d'oreilles. Et puis quand tu freines... Ouais, quand je freine, c'est... Ça fait un petit bruit. Qui est quand même assez réaliste. Pardon, j'ai tapé dans le tracteur, je l'ai défoncé. Bon, ensuite, on passe à celui-là. Donc c'est quoi, celui-là? C'est quoi? C'est un... Un burère, comme le jaune et... Jaune et violet, d'accord, merci. Jaune et vert. Donc voilà. Donc vous entendez peut-être mes chiens. Désolé, c'est les aléas du direct. Ma fenêtre est ouverte car il fait très chaud. Donc voilà. Donc celui-là, il est quand même assez stylé. D'accord. Bon. Ouais, lui aussi, il est pas mal. Franchement, il est bien. Attendez, on va prendre une bordure avec. Ah ouais, trop chelou. Wouah, quand il freine le truc. Y'a vu, il freine pas beaucoup, hein. Bah non, mais en même temps, c'est logique. Ces tracteurs-là, les freins... Ensuite, on a un buquer. Un bûcher. Ouais, je sais pas comment ça se dit. J'en ai déjà... Non, tu verras, il faut un problème. Surtout celui de... Non, celui... J'en ai... Ouais. Personnellement, j'en ai déjà vu un. De celui-là, mais plus vieux encore, il était à moitié défoncé. Par contre, ah ouais, les phares ils sont bizarres sur celui-là. Mais ils sont gros quoi. Non, mais regarde la texture, on dirait du métal. Ah ouais. Bon, on va pas s'attarder sur celui-là. Ouais, des... C'est stylé, franchement. En première personne, c'est trop beau. Franchement, ce DLC énorme. Ouais, le Hats, je sais pas quoi trop. Hats H340, voilà. Donc, il est sympa aussi. Attendez, on va accélérer un peu. Ouais, ouais, t'inquiète. Voilà. Donc, après, on avait plus étonnant de tous, qui m'a beaucoup étonné. Franchement, oui. Quoi? Le tracteur qui est juste après le Hats, franchement, le shooter.
Ah ouais, bah oui, bah je jouais tout le temps avec sur Farming 2011. Bon, celui-là, si vous jouez à Farming, franchement, depuis un bon bout de temps, vous le connaissez. C'est le classique, hein, qui ne connaît pas, franchement. En plus, avec ton klaxon de camion, là, on dirait. Hein, ou de paquebot. Bon, on va pas s'attarder sur celui-là parce que vous le connaissez normalement, donc voilà. D'ailleurs, c'est le seul qu'un Giro. Hein. Et il a 150 chevaux aussi, Oui, donc ça. aussi. Donc ensuite, on passe à celui-là. Donc celui-là, franchement, c'était mon préféré. Il est trop stylé. Donc là, vous demandez. Attendez. Là, vous vous demandez, pour ceux qui n'ont pas trop peut-être joué à Farming, vous demandez, mais c'est bizarre, pourquoi je peux pas tourner comme ça le truc là? Ben en fait, faut faire ça. Carré. Et ça relâche. Descends, 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 s'il te plaît, descends. Quoi? Va à côté, à droite. Non, mais va, regarde, va à droite. Là? Encore, encore, encore. Regarde, il y a une animation. Regarde. Ouais. Ah ouais, ça se tire. Par contre, le personnage, il le tire pas. Non. Vas-y, descends. En première personne, ça marche. Ah ouais. Bon, bah, ils sont pas foutus de faire bouger des joysticks, mais par contre, ils savent faire bouger des leviers. C'est déjà un bon point. C'est vrai. Celui-là. Ensuite, le Linder BF 4505, quand Il même. tourne encore le truc, c'est bien fait, hein, quand tu appuies dedans. Hein? Le truc là, le godet, là, il tourne encore. Ouais, enfin, il devrait s'arrêter normalement au bout d'un moment. On va l'arrêter. Bon, ensuite. Donc, un tracteur aussi. Hein. Donc, je vous ai dit le nom. Donc, on va regarder un petit peu. D'ailleurs, je vais pas accélérer avec le. Accélère avec le truc là. Le... Enfin, conduis avec celui-là, là, le chargeur. Hein. S'il te plaît. T'as refait tomber. Là. Non, mais pas le chargeur, ça. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, l'autre. Avant. Celui que t'as fait tomber le godet. T'as fait un drift avec moi. Hein? Viens pas te faire un drift avec le truc. Non. Bon, alors, on va le remettre. Wow! Ça fait un bug bizarre! On s'amuse. Bon, alors, continuons. Donc, ensuite, celui-là, franchement, oh, magnifique. Donc, Bucher, hein, comme le tracteur là-bas. C'est une auto-chargeuse. Merde, je suis monté dans l'autre, d'accord, fail. Attendez, on va la conduire. Vous allez voir, franchement, épique. Franchement, trop stylé. Donc, dites-moi, franchement, j'aimerais. Enfin, ça fait beaucoup de franchement. Hein. Dites-moi si vous aimeriez voir une carrière avec ces véhicules. Ce qui Ça nous. serait stylé, n'empêche. Ça nous ferait 3 vidéos par semaine. Donc, C'est bien, franchement. dites-moi, dites-moi si ça vous Moi, plairait. j'aimerais bien la tourner, hein, franchement. Moi, je suis. Ah bah moi aussi, franchement. Donc dites-moi ça dans les commentaires de cette présentation si vous avez regardé Regarde, c'est de jusqu'ici. la faucheuse que je voulais te montrer. Ah, Regarde. ouais, fais Regarde, voir. déjà, depuis là, tu verras comme elle est sensible. Ouais, bah tombe à la fin, ouais. Vas-y, attends, descends. Descends, s'il te plaît, descends. Descends. Attends. Viens, on teste. Non, mais descends. Attends, Descends, s'il te plaît. je veux tester. Bon, par contre, ça va. Non, mais descends, s'il te plaît. Attends, je vais tester. Non, mais. Ouais, on fauche. Wouhou! Attends, je vais faire quelque chose. T'es mort sur ton tracteur, toi. Et le gars, il s'amuse. Attends, je vais faire quelque chose. Oh putain. Oh là, qu'est-ce qu'il. Oh non. Oh non. Oh mon dieu. Quoi, c'est pas ma faute. C'était Bah, tentant. toi, tu t'es un pervers, hein. Bon, il a une couille moins grande que l'autre, mais c'est pas grave. Descends, je veux voir comment ça fait. Ça fait quoi, quoi? Ah, franchement. En plus, j'ai fait une bique. Avec une couille qui est pas trop proportionnelle. Faucheuse. Ouais. Regarde l'animation. L'animation de quoi? Tu vois pas? Ah oui, bah c'est normal, c'est la prise de force.
qui fait ça. Bah, c'est bientôt. Ouais. Bon, ensuite, on va passer aux outils. Donc, déjà, la faucheuse, hein, que vous avez pu voir. On a même dessiné une bite avec. Comment s'appelle cette faucheuse, d'ailleurs? Elle s'appelle la cune... La cune... FA300... Enfin, c'est une cune, quoi. Donc, ensuite... Ouais, je vais faucher un petit peu, comme ça, tu pourras tester l'enduneur et la panneuse. Hein? Je vais faucher un petit peu, comme ça, tu pourras tester... Ouais, l'enduneur. Ah oui, avant... D'accord, l'endaineur, voilà, donc petit endaineur. Enfin, c'est une faneuse, pas un endaineur. Ouais, une faneuse. Ah, est-ce qu'il y a un endaineur? Je l'ai peut-être pas acheté. Oui, un endaineur. Ah, ben je l'ai pas acheté. Ah, si, j'en ai acheté un, ben il est où? Bon, on verra après, à mon avis, il doit être quelque part par là. Ah, oui, il est là-bas. Bon, alors, ce petit truc, donc c'est qu'une, hein, à mon avis, je pense. Non, c'est phare. Merde, je l'ai acheté. C'est pas grave. Donc c'est phare, donc voilà, il y en a un autre là. Donc voilà, comme la moissonneuse, bon, il n'y a pas besoin de le présenter plus longtemps, hein, voilà. Ensuite, ça doit être un Lemken, ça, une petite charrue Lemken, à mon avis, vu qu'elle est Ouais, c'est bleue. ça, c'est Lemken. Attends, on va vérifier quand même. Oui, c'est Lemken. Ouais, la Lemken. Pourquoi il est écrit Diacovision Agrovision Company? Je sais pas Ok, pourquoi il tu est. sais bien parler anglais, toi. Ouais, j'essaie de faire un petit accent so British, quoi. Donc, So en British. Suisse, la fourche à fumier. Suisse. T'as dit en Suisse. Hein? T'as dit en Suisse. Ensuite! Bah oui, ensuite. Non, ça te dit en Suisse. Ah bon? Dire en Bon, Suisse. ma langue à. Tu verras dans la vidéo, Ma t'apprends. fourche à languer. Voilà. Non, je déconne, ma langue a fourché. Donc là, la petite fourche à fumier qui va avec le chargeur qui est là-bas. Donc voilà. Enfin, non, qui est pas là-bas, qui les utilise. Alors, ensuite, la chargeuse. Ah, d'ailleurs, attendez. On va commencer les choses dans l'ordre. La presse à balles, qui est la phare APN. Donc franchement, c'est énorme. Ça rappelle un peu. Ah, tu veux l'essayer? Un peu l'ancien temps. On l'essaiera après quand on fanera tout ça. Donc voilà. Ensuite, bon, comme je vous l'ai dit, comment ça s'appelle? La ramasseuse, ça doit être une phare aussi, peut-être que. Oui, c'est une barre. Ouais, une phare aussi. Ok. Donc avec tapis roulant, combien de capacité? Balle, balle, balle. Capacité 50 balles. Bon, en même temps, les balles sont plus petites, hein, les amis. Et puis elles sont mises en vrac. Ouais, aussi. Mais ça, c'est bien fait, par contre. Ouais. Ensuite, une ensileuse. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Je Une sais pas coupe. ce qu'est une ensileuse. Une ensileuse, Ah, ouais. bien dans le 2, c'est la première ensileuse qui existait. Ouais, une coupe à maïs, quoi. Une coupe à maïs en Et une ensileuse. phare aussi. Ouais, une phare aussi. MH650. Donc voilà, bon, c'est Et pareil que le truc aussi pour le accrocher reste. là. Quoi? Je la benne. Ouais. Ah ouais, bah oui, mais ouais, pour l'attacher, quoi. Bah Par contre, elle fait combien de mètres, là? Ça prend qu'une rangée, ça. oui. Ah Alors c'est sorti. ouais! C'est pour faire le champ sur Wolfbridge, le champ neuf. Bon, bah, tu vas mettre à peu près 10 ans, je dirais. Donc ensuite, cette petite benne. Attendez, c'est comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? Ah, c'est une lisard, je m'en doute un petit peu. Donc, petite benne en bois, hein, voilà, très sympa. Franchement, elle est belle. Voilà. Franchement, elle est sympa quand même. Par contre, ça c'est mal fait quand même. Dans tous les bennes dans Farming, tu peux pas rentrer dans la benne en fait. T'es au-dessus. Ça c'est bizarre. C'est logique. Bah non. Tu devrais rentrer dedans normalement. Donc ensuite, Mais moi aussi, pourquoi rentrer dans une benne? un culti. Non mais tu peux, t'as compris quoi. Un Ouais. petit culti. Donc c'est quelle marque? C'est un imprononçable, même avec le logo, c'est imprononçable le truc. Ah bon? Ah oui, le bordel, il... Bah non, c'est. Attends, sur le logo il y a écrit. Oh ouais, c'est chelou. Ouais non. Juste un 3, 4, 100, 6 jours. Ouais, voilà, un 3-4-106. Bon, ensuite, Juste être cultivé, voilà. le ratophane, enfin l'endaineuse. Donc voilà, la petite endaineuse tranquille.
Donc, je sais pas si vous avez entendu, il y a un tracteur qui est passé pas à côté de chez moi. Bon, alors la petite andaineuse Pottinger, ouais, Pottinger. Donc Juste voilà. un... Hein? Ensuite, la cuve, et franchement, cette cuve, elle est magnifique. Quelle marque? Ça doit être Lizard, non? Oui, c'est bizarre. Ouais, je m'en doutais. Donc, Ça sent si tous des trucs à eau, c'est pas une marque, c'est bizarre. les. Donc, la petite cuve Lizard, donc Ok, c'est pas 1000 litres, hein, comme c'est marque écrit bizarre, dessus. c'est la marque de farming, hein. Ouais, un peu. Une vraie marque. C'est vrai. Voilà, Ensuite, c'est la guerre, hein, le celle-là. petit truc à engrais que j'arrive à faire bouger avec mon corps. C'est assez bien fait. Wouah! Wouah! Comment on le fait bugger le truc? Bon, on arrête les conneries. Alors, le petit truc Amazon, un petit épandeur en grès. Et alors, le plus grand Attendez, problème, je vais vous dire combien il fait. Épandeur, c'est où ça déjà? Non, c'est une cuve. Ah non, c'est un épandeur. Pardon. Il fait 320 litres. C'est pas énorme. Ensuite, une cuve à lisier. fait la guerre. Ouais, voilà. En bois qui fait ouais 1000 litres, enfin je m'en doutais un peu. C'est bizarre aussi, hein. Ouais, bizarre, voilà. Franchement, stylé. Regarde les deux bouts de bois là avant, on dirait que ça lui fait des phares. C'est bizarre. Avec le petit bouchon à l'arrière. Donc ouais, on va tester. Je vais prendre. Moi, je prends date. Moi, je prends celui-là. Deux Merde. plus tard. J'ai shooté le tracteur. Non, non, le petit. T'accroches quoi? Moi, j'accroche la fameuse. Vas-y, bah, je vais prendre l'andaineur. Par contre, j'ai encore jamais fait ça avec un andaineur comme ça, à juste un truc. C'est long à se déployer, hein, la fameuse, elle est longue. Ah bon? Ouais, regarde. Regarde. Vas-y. Ah ouais, ça faisait plus un par un. Bon allez, vas-y, fan. Ah là. Ah ouais, ça sert à rien en fait, c'est pourri. Non, mais c'est juste histoire de tester. Hein. Ouais, c'est un peu chelou quand même. Bon, on rassemble la paille pour faire une petite rangée. Par contre, t'as fait une rangée de 3 km ou? Hein, Ilyes? Par contre, je vais rétrécir mes rangées parce que je sais pas si elle prend large, ça m'étonnerait. Ah, c'est bon, ça s'arrête là. Voilà. On a fait notre petite rangée. Donc, je vais aller chercher la presse, les amis. Hop, avec ça, tu vois. Quoique, non, avec celui-là. Bon, je sais, je fais un peu le con, mais on s'en fout. Je vais aller prendre la presse. Quoi? Franchement, t'es trop marrant sur ton tracteur. J'aime pas, tu sais, j'ai pas l'habitude de. Enfin, on n'a pas l'habitude, tu sais, parce qu'il y a une cabine souvent. Ah Enfin, ouais. Il est sur les morts de rien. t'as plus de trucs comme ils sont là. Tu me dis Ouf. s'il y a une bonne qui est faite. Oh ouais, regarde l'animation, mec. Ouais, t'as vu, ça fait. Il t'a vu le prise de force, le truc qui s'appelle comme ça, là. Ouais. Bah, t'as Oh vu, ouais. Elle est toute petite. bah, il bouge. Bah, je m'en doute. Mais elle est toute petite. Tiens, on va se mettre un petit peu en première personne. Ouais, mais merde, je suis con, j'avais pas anticipé ça. Recule, yes. C'est Ouais, vrai. il peut faire plusieurs fois. Elle est décalée. Bah oui, Je oh m'en le rappelais con. plus. Allez, hop, on se remet. Dans ton chargeur aussi, elle est décalée. Ah bon? Non, elle est en dessous. Sinon, elle est décalée. Ah, bon, on regardera après. Est-ce que t'as refait une bande d'herbe à côté? Va en refaire une, s'il te plaît. Bah, faut que tu me rachètes
peut-être un. Ben non, il y en a des tracteurs. Va, bah, va prendre la faucheuse. Ah, tu peux faire face. Ouais, une, mais tu la fanes pas. Pour l'autochargeuse. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, pardon. Bah, y'a ta bite, hein, si jamais. C'est vrai. Wouah, regarde tous les petits ballons qui sortent en masse. Il y a au moins... Il y a trois ballons, là, au, derrière, au bout. Il y a ta bite. Ah là là, n'importe quoi. Bon, tu me diras, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Allez, grandeur nature. Enfin, taille réelle. Hop, petit coup de klaxon. Tranquille. Bon, allez, hop, on a fini ça. On va décharger la presse. Hein? Tu touches pas mon bête. Non, non, t'inquiète. Je peux le toucher, ton bête. Comment elle saute, la presse? Le tracteur, on les rangera après, hein. Ouais, ouais. On les rangera pas, on les revendra. Ouais. On les revendra parce que c'est une carrière moderne que j'ai. C'est une carrière cheatée moderne. Donc, Juste pour tester, encore. Oups. Bon, allez, on va aller faire ça. Alors. Ben non, elle est pas décollée, qu'est-ce que tu me chies? Elle est en dessous. Elle est pas décollée. Ben non. Elle est pas décollée, autochargeuse. Mais je te parle du arme à ses rappels. Ah. Ah d'ailleurs, fais tester pour montrer aux abonnés. Non, mais c'est bon. Quoi, y en a plus? Non, non, mais c'est bon, il va voir comme ça. Ok, vas-y, on fait voir les munitions. Putain, mec, t'as réussi à faire bouger le truc, toi. T'as vu? Quoi? T'arrives à faire bouger les remorques. Ah bon? Regarde, mec, dedans. Regarde. Non, dans le tracteur. Regarde. T'as vu? Ça bouge pas, moi. Bah, ouais. Bah, descends. Descends. Mais il faut montrer aux abonnés, oh. C'est moi qui le fais ça, regarde c'est bien ça monte. Hop le petit tracteur là. À moi. Attendez. Attends. Putain, déjà t'as pris mon tracteur, comment ça repasse? Attends. Passe-moi ça. Je ramasse juste un dernier. Non, passe. Oh bah non, ils sont tous à la fin, vas-y. Oui, c'est ça. Comme ça je fais voir l'animation. Oui, voilà. Vraiment c'est bien ça, ils se mettent en braque. En gros, ils se mettent comme ils veulent, mais... Ouais, bah... C'est stylé. Et d'ailleurs, comment on les décharge, ces conneries? Bah, à l'arrière, quand ils sont pleins. Vas-y, vas-y. Ramasse ça. Regardez les trois, là, qui montent. Et pouf! Par contre, je pense pas qu'ils se mettent où ils veulent. Je pense que c'est calculé. Non, non, regarde. Il est tombé comme ça le dernier. Ah ouais, il bouge. Vas-y, décharge. Pour voir. Mais pas sur l'andin, pas sur l'andin, pas sur le. Ah oui, oui. Hey. Sur la route. C'est pas la peine. N'importe quoi, mais décharge-la, décharge-la. Non, mais pas sur la route. Non, bah vas-y, regarde. Vas-y, ici. Vas-y, décharge. Ah ouais. Et après, c'est un tapis. C'est stylé. C'est même pas un tapis, on le voit pas bouger. Bon, si c'est... En... Non, mais c'est normal parce ouais. Qu'en vrai... L'animation, elle se fait pas, quoi. Bon. Je vais retourner... Voilà. Je suis enfermée. Ah non. Je vais retourner dans ça. Enfin, dans ça, dans l'autochargeuse. Il est grave stylé quand même. Et il avance vite quand même. Mmh. Ouais, tu cours plus vite. Je suis à 20 km/h. Je t'ai dit, les personnages dans son nom, c'est tout. Ouais. C'est Usain Bolt. Bon. Tout ce qui est anglais. Bon, bah les amis, c'est tout pour cette petite... Ah bah non, c'est pas tout. On a pas... Ah si, on a tout présenté, ben si, ben si. Quelqu'un, un semoir, c'est un semoir.
Ah, il y avait un ce mois. Et j'ai oublié de présenter plein de trucs, hein. Le pendeur à fumier, le Bah cubanisme. bravo, Ilias, hein. La Cuvalisi, on l'a présenté, déjà raté. Non, Les... et l'affaire tournée. Ah, mais on s'en fout, ça. Ils savent comment ça marche, hein. Ils Ah oui. sont pas débiles, Ah oui, t'as oublié de présenter il ce mois. Oh. hop, les pendeurs. Il oublie plein de trucs, Coco. Est-ce qu'il y a une machine à patates? Non. Une machine à betteraves? Non. Non. Bon, c'est pas grave. Ah, vous avez vu mon petit doute? Enfin, mon gros doute. À côté de la mer. Hein? Carrément presque tout coupé les arbres. Ça fait un mal. Bon, bah, ah, il est là. Alors là, on a l'épandeur à fumier, donc bah, crône, hein, comme vous pouvez voir. Comme lanceuse, quoi. Donc, bah, voilà, avec les petits trucs derrière, les petits. Ils sont bien faits les trous. De quoi, les quoi? Regarde dans le. Fais voir, passe. Il avance tout seul. T'as vu? Ouais, bof. Non, pas trop, franchement, ils sont un peu bof quand même. Bon, donc répandeur à fumier avec les vieilles roues, la peinture, on dirait qu'elle est prête à se défoncer, à Ah, par sauter. contre, dans le shooter, il est trop bien. Bah, il est où le. Ah, il est là, le petit semoir Cassia? Non, Isia. Isia. Asia. Asia. Ah oui, Asia. Asia. Non, Asia. Regarde, il y a deux S. Asia. En plus, il est stylé avec les deux roues énormes en bois, avec un cerclage de fer. Bon, bah c'est tout, hein, je pense. Bah écoute, on a fait le tour. Hein. Ouais, Après, ouais. une benne, c'est une benne. Hein. On va Bon, commencer on l'a par. présenté, la benne. Ouais. Ah, si, regarde. Je vais montrer comment il marche, l'épandeur. Dépêche. Sinon, ça va faire un peu trop de vidéos. Ça, ma co va pas apprécier. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai une co extrêmement pourrie. Oui, il a mis 30 minutes à installer ça, quoi. Franchement. Alors qu'il est, s'il a mis 1 minute 30. Vas-y, fais Tiens, maintenant, voir. on va dans le champ. Qu'est-ce que tu fais? Mais il y en a pas de toute façon dedans. Quoi? Pourquoi je m'en prends plein la gueule alors qu'il y en a pas? T'engages un ouvrier, Ah ouais. ça marche pas. Ouais, je prends une douche. Vas-y, continue. Je prends une douche. Une douche de merde. C'est trop stylé, je prends une douche de merde. Bon, bah les amis, cette présentation touche à sa fin. Donc elle a pas été très très sérieuse, hein. C'est amusé, hein. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, moi j'ai bien aimé présenter ce petit DLC que j'avais beaucoup aimé, franchement, sur Farming 2011, hein. Donc n'hésitez pas à partager ceci pour vos amis s'ils ne savent Oui, pas. parce que j'ai déjà fait une vidéo aussi dessus. Oui aussi, voilà, allez voir la vidéo aussi d'Iliès, hein, si vous avez envie de la regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager comme je vous ai dit, pour faire connaître ceci à vos amis, car il n'y a pas eu vraiment de notification pour vous dire « Tudut, il y a un nouveau truc », c'est ça qui est chiant. Donc, n'hésitez pas aussi à commenter, voilà. À Voilà. liker, Ça peut être sympa. À liker, je l'ai déjà comprendre ma dit. chaîne, aller sur Allez ma voir la chaîne de Simu01. Il y est, quoi. Et moi, je vous dis bye! ciao.